Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. La dernière fois, nous avions vu les bases du game system de Pocket Fighter. Aujourd'hui, nous allons voir les personnages du jeu. Tout d'abord, nous allons commencer par Ryu, le grand maître du karaté. Il faut savoir qu'il s'agit du Ryu de Street Fighter 3. Comment le différencier? C'est très simple. Ryu de Street Fighter Alpha a un bandeau blanc. Il obtient son bandeau rouge dans Street Fighter 2. Ready? Round one, fight! Il faut bien avoir en tête qu'à l'époque de Pocket Fighter, Street Fighter 3 était déjà sorti. De plus, il conserve son Shin Shoryuken, technique empruntée de Street Fighter 3. Contrairement aux autres personnages du jeu qui passent leur temps à se déguiser, Ryu est le seul perso qui ne change jamais de costume. De son côté, Ken Masters semble aussi sortir tout droit de Street Fighter 3. Lors de son flash combo, il se retrouve en civil avec son jean et ses baskets et sa veste en cuir. Il se transforme également en footballeur, même si on ne le voit pas tout de suite, il s'agit d'un clin d'œil à Capcom Sports Club, un jeu de sport de l'éditeur. Lorsqu'il se fait carboniser par l'adversaire, Ken retrouve sa tête normale, ce qui est vraiment bizarre vu qu'il garde son corps difforme. Chun-Li est aussi un personnage qui se déguise beaucoup dans Pocket Fighter. Tout d'abord, elle se transforme en Jill Valentine de Biohazard. Ensuite, elle se change en écolière qui donne une lettre d'amour. Enfin, elle se change en June du jeu de combat 3D Star Gladiator. Pendant l'un de ses Mighty Combos, elle se transforme même en agent de circulation. Et si l'on fait bien attention, les gens en vélo qu'elle laisse passer sont exactement les mêmes que ceux de son stage dans Street Fighter Alpha 2. Zangief, le plus russe de tous les catcheurs, est aussi de la partie. Il a le Evolution Combo, un combo expliquant les théories darwiniennes de l'évolution. Il a aussi le Combo Kozak, qui comme son nom l'indique, le grime en danseur de Kazachok. Mais sa transformation la plus amusante est quand il se change en catcheur rouge. Les adeptes de ce sport viril savent bien que Zangief avec un F est un hommage au catcheur russe Viktor Zangief avec un V. Car oui, Zangief existe bel et bien. Et c'est un catcheur russe. Ça ne s'invente pas un truc pareil. Passons maintenant à Felicia, un des personnages qui a le plus de mutations. Lors de son flash combo, Felicia se transforme en Megaman de Megaman 3. Pourquoi le 3? Car c'est dans Megaman 3 qu'il gagne de nouvelles aptitudes. Fidèle à sa série, elle se transforme aussi en monstre de Darkstalkers, comme Galon, Holbass et Sasquatch. Un autre de ses combos la change en Gamma Gogri, un perso de Plasma Sword. Son dernier combo est nommé le Yokai Combo. Les Yokai sont des monstres du folklore japonais. Felicia se transforme alors en Nekomata, une femme chat, en Kappa, un des Yokai les plus connus, et pour finir, en Urikabe, un monstre mur de plâtre. Un autre personnage incarne le folklore et les traditions japonaises, il s'agit du ninja Ibuki de Street Fighter 3. Dans son flash combo, elle se transforme en Geiko. Elle pratiquera aussi l'Ikebana, l'art de l'arrangement floral. Elle sera aussi maître de cérémonie du thé, et enfin, elle apprendra l'art de la calligraphie ou encore de la danse folklorique. Mais ce n'est pas tout, ces Mighty Combos aussi sont empruntés à la culture japonaise. Ainsi, elle chevauchera une grenouille géante comme le fit Jiraiya, un ninja de légende. Elle tranchera d'un coup de sabre son opposant sous les traits d'Ayate, un prêteur hors pair. On notera aussi qu'un de ces Mighty Combos la transforme en Rolento, un boss de Final Fight, mais aussi un personnage de Street Fighter Alpha 2. Laylay n'a pas de transformation mirobolante. On notera toutefois qu'il y a un petit clin d'œil à Sunson, un autre jeu de Capcom. Laylay profite de ses origines pour renouveler le célèbre conte chinois, Le Voyage en Occident. Sakura, quant à elle, lors de son flash combo, se transforme en Nadeshiko, c'est-à-dire une jeune fille modèle. Elle adopte aussi une tenue de tennis qui n'est pas sans rappeler Capcom Sports Club. Une autre de ses mutations est plus étonnante car elle devient une bunny girl. Tessa est une sorcière, c'est aussi le seul personnage à venir de Warzard. Un de ses Mighty Combos appelle un mecha à la Cyberbot, mais en fait ce n'est pas le robot qui est géant, c'est elle qui rétrécit. Dans Pocket Fighter, Morrigan est la reine du cosplay. Elle utilise les uniformes des métiers qui émoustillent les sens masculins. Ainsi, elle se change en infirmière, en soubrette,
en serveuse ou encore arbore un yukata, un kimono que l'on porte l'été. Mais Morrigan a quelque chose que les autres combattants n'ont pas. Si elle gagne en perfect face à certains adversaires, elle peut prendre leur forme. Au dernier round, il faudra presser haut, point, spécial et start juste avant que l'adversaire ne soit KO. Morrigan prendra alors la forme de Sakura, Chun-Li ou Dan. Car oui, Dan et Goki sont tous les deux des personnages cachés dans Pocket Fighter. Et si vous voulez en savoir plus sur ces deux personnages, je vous invite à visiter le Hidden Palace Gaiden sur le site de No Life. C'est bon là pour la promo ? C'est bon là pour la promo ?